Elle est où l'elfette là? Visiblement, il y a une elfette. Putain, chier, faut que je m'envoie les compos. 18h31, c'est-à-dire une heure d'attente. Quel enfer. Quel enfer. Ah, quoique. Non, je peux. Avec Azedo, je peux me TP à Strana avec le démon et prendre les compos. Ah, c'est elle. Oh, je la connaissais pas du tout. Alors, je suis Nora Toutkia. J'ai voyagé très loin. Tu es la faune merveilleuse exotique avec Kalindor. Il se trouve que j'ai pris ces mystérieuses écailles sur le cadavre d'un batteur monstrueux. Fascinant. Histoire un peu folle. Alors, je crois comprendre comment la magie en jeu circule et imprègne les écailles. Il s'agit d'un trait évolutif. Un talisman qui va de capter et projeter l'énergie magique et qu'elle dégage. En recevant quelques matériaux. Ok. La déesse vous protège. Acha, fais-la. Cantine déjà. Une sacoche de. 5 pièces d'or! Putain, mais pute! Sacoche de poussière étrange, essence de petite classe. Oh là là. Illumine votre route. 5 pièces d'or! Mais fuck quoi! Ah, je suis en Shenval avec le démo! Ah, ça peut le faire. Ok, je peux me ramener dans ce cas-là. Attends, elle veut quoi déjà? Alors. Elle veut. Donc 40 poussières étranges, c'est bon. 2 petits sacs à scintillants, c'est bon. Et 2. 5 essence, c'est bon, j'ai tout. Ok. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Ça, putain, j'ai plus de thunes. Marrant. Mes personnages, ils sont ruinés, les gars. C'est la ruine totale. Hein. On va aller farmer les quêtes. La ruine est réelle. Catastrophe. Ok. Ok, donc là je vais aller à Shenval, je vais aller à Ratchet avec le démo, je suis les compos à Zedos qui est aussi à Ratchet. Et comme ça. Qu'est-ce qui vous amène? Hop là. Comme ça il peut les filer à mon pal. Ok. Putain, j'ai tellement plus de thunes. Ok. Et j'aurai donc le talisman, et avec le talisman, je crois que je dois retourner dans le réel encore. Ah, c'est costaud, les gars. Putain, c'est costaud. Je dois retourner dans le réel, après, il n'y a toujours pas de trage, donc c'est cool. Obtenir le compo nécessaire. Et je pourrais peut-être faire le torse. J'aurais passé quand même mon après-midi là-dessus, hein, entre monter ma forge et faire le torse. 4h25 de live, 4h25 de live, 4h que je suis dessus. Heureusement que j'ai. Parce qu'à un moment j'ai hésité à aller faire les petits donjons avec les copains et tout. Heureusement que j'ai renoncé. Putain. Aïe aïe aïe. Tiens, là on va. Hop là. Que les gens pensent à s'inscrire sur le roster. Tiens, là est-ce que j'ai des gens à valider dans le roster? Oui, Bruma. Hop, il est validé. Voilà. On est actuellement... Loup, pas encore. On est actuellement 16 raiders quand même possible, hein, c'est pas mal. C'est vrai que pour la semaine prochaine, j'ai vu qu'il y avait en nouveau raid avec nous, on a Turucano, c'est ça, et Pollux. Qui viennent pour le prochain raid. Nouvelle ID, ça va être pas mal. Ok. Éviscératrice. Ah oui, c'était la quête de merde. Bon, va falloir que j'aille faire full quête avec le démo, le pal, d'ailleurs, peu importe. Ah, ok. Le démo, ça va être... Quoi, avec le démo, c'est roule là-bas. Donc, faut que je clean les quêtes avec le démo, le paladin. Il me faut des pièces d'or, j'ai plus de thunes. Et je vais monter le... Et je vais monter le... La cuisine sur le palais. Ah, excusez-moi. Tiens, j'ai fini mon lit. Ah, je l'ai pas fini.
Alors. Tu veux pas nous enlever ton add-on, il casse un peu les couilles. Ah, quoi que. En vrai, je sais pas s'il casse les couilles. Je suis partagé. D'un côté, j'aime pas les trucs qui spamment. D'un autre côté, il spamme un truc utile. Je suis mitigé. T'as un ennemi commun? On a déjà eu plusieurs loots. C'est vrai que les ennemis communs, bon, Clément Ordonnée, que ça pue la merde. À une main. Ah, j'aurais pas meilleure arme que mon pal. Hein. C'est vrai que j'ai eu un peu j'ai eu vraiment la masse de rêve hein, avec le pal. 17 de DPS, elle est vraiment stylée. Oh, le bâton en vrai, putain, il est stylé pour. Zilli, ça tu kifferais, je pense. 2 enduits, 3 esprits, 24 heal power. C'est énorme. Hein. 24 heal power, putain, les curetons. Je pense qu'il kifferait sévère. Très sévère. Rigolo, la seule arme à deux mains, elle pue la défaite. Elle est belle, mais elle pue la défaite. J'ai trop le fragment d'âme, moi. Ah, oui, il y a Solak, il y a Azelos qui sait le faire. L'Alchir. Alors, Azelos, je t'ai vu. T'es l'écho, non? Ah non, t'es là. Donc, et tu me... Et ça s'appelle Reviens, hein. Ah non, ça j'ai arrêté parce que j'allais te faire les... Oublie. Full drogue. Azelos peut te le... Ça, ça, et ça. Putain. Vas-y, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Et donc, c'était pas le PNJ auquel je pensais. C'était pas du tout le PNJ auquel je pensais. Dur à trouver, hein, le PNJ. Faut le... Après, c'est vrai qu'il y a les nouvelles. Mais pour savoir qu'elle est là, bah, je t'ai perdu de vue. Mais. Oui, bah, c'est la quête pour le crâne, notamment. Ah, bah oui, t'as la quête, les cornes de Raptor. Non, pas celle-là. Omelette, c'est. C'est où ça? À la combe des cisailles, ouais. Et la quête et racine de feuilles bleues, c'est la quête du Kral. Revenez vite. Ah bah faut le tuer là. Pour ça, de toute façon moi je vais aller retourner. Aujourd'hui j'ai fait full forge, demain je vais faire full quête pour remonter un peu les PO. Et donc voilà, c'est l'elfette en face le PNJ. Je passe avec le nain. Fallait la connaître hein. Putain, j'ai dû regarder Google, hein, impossible de... Je savais pas du tout qu'elle était là. Il me reste 8 PA, 8 PO 51. Tout va bien. Merci Lucas. Je suis honoré. Alors, je reconnais que je ne suis pas une grande enchanteresse, mais je pense que je maîtrise assez bien le processus, dans les grandes lignes en tout cas. Oh putain. Je vous souhaite bonne chance dans vos aventures et j'espère que vous reviendrez vers moi si vous faites d'autres découvertes merveilleuses comme celle-ci. Ça, c'est là qu'était une suite. Et j'ai un deuxième bijou, ceci dit. Hein. 5 esprits. Toujours. Que les étoiles vous guident. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa, deuxième trinket, écoutez. Hein. Et je suis full slot. Magnifique. Enfin, techniquement, j'ai pas de relique. Techniquement. Ok, donc là, maintenant que j'ai ça, il faut que je retourne dans le raid. Putain. Les petits allers-retours, retour, retour, les petits allers-retours. Donc accumulé sur mes deux persos, il me reste moins de 5 PO. Tout va bien. Tout va bien, les gars. Je me suis inscrit sur le site. Ça marche. Le temps, c'est de l'argent. Je te valide. Donc on retourne à Ashenvale. En vrai, j'aurais même dû aller au Berdine, c'est pas grave. Alors, je te valide, Tuco. Hop, tu seras prêt, je pense, pour dimanche ou pour... Je sais pas si tu t'es encore de la place pour dimanche. Mais, vu te connaissant, tu seras prêt s'il y a de la place. Et il y a encore une place, je crois, pour dimanche. Il y a encore une place de DPS. T'as dit quoi, Lucas? Ok. Il est en train de faire la prison. Ok. Ouais, c'est pour ça. Ah, oh, Simba, bah c'est-à-dire que dès dimanche, je ne perdrai. Il y aura des loot mailles pas perdus. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que si je veux pour moi
L'épée épique à demain. Il faut que ça tombe ce soir, les gars. Pour que j'ai un ninja à Tsuko. Ah là là, terrible. Ouais, les racines de feuilles bleues. On a 3 quêtes à prendre pour le Kral. On a une quête dedans. Et je crois que c'était... Attends, quête, Kral, Alliance. Je crois qu'on avait vu, il y avait... Alors, attends. Il y a la quête de Willix dedans. La quête Le Déclin et la Mort dedans. Et la quête des Racines de Feuilles Bleues à l'extérieur. Ça, 2 quêtes à l'intérieur. 2 quêtes à l'intérieur et une quête à l'extérieur. Donc 3 quêtes. Et ça va faire des PO, on va les quêtes de Kral. Hein. Il y a en loot... Ah, il y a les bottes 6 agis 5 endus. Je sais pas si c'est bien pour toi. Il y a un anneau 6 agis. Ou 6 forces. Enfin, voilà. Un chat de poche, j'ai jamais vu des piques. En même temps, tu l'as fait quoi? Une fois le raid, donc tu l'as fait plusieurs fois. Donc les piques est rare, on est bien d'accord, ok. Les piques est rare. Les piques et colébrames. Comme ça, si je viens en palade DPS plus tard, ça sera cool. Et puis, bon, il y a de la marge. Hein. Soit déjà, mais pas lâcher avant les bœufs. 4 fois, d'accord. Ah, en 4 fois, sur ni. Ok, donc les loot épiques sont rares, ok. Donc c'est, il les lâche pas à chaque fois. Donc ni sur Kelriss ni sur Akuma, vous avez jamais vu les... T'as jamais vu les piques. Ok, c'est bon à savoir. Donc 4 fois, ça fait quand même 8 boss. 8 boss de Dawn. Et pas une seule fois les piques. Et bah c'est un peu tristesse. Et ben c'est la tristitude, hein, je te le dis. Alors, Hello Fresh, qu'est-ce qu'on a de beau? Non, c'est cette semaine. 11, ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire de beau, Nat-Nat? Un truc bon, j'espère. J'ai pas trop envie de soupe. Ah, quoi que la soupe a l'air stylée, ceci. Recette pour robot de cuisine. Ah, elle en a pris 2 robots de cuisine. Ah, tiens, 18 décembre, il y a quoi de beau? Ah, là, elle a déjà choisi 6 repas. Mijoté de veau provençal de mamie Odile, c'est vrai que c'était bon, ça, en vrai. Cuisse de poulet mexicaine stylée, velouté de butternut. Ouais. Nouilles ça a l'air stylé. Bol de boulgour, carottes et poulet rôti. Soupe chorizo, lentilles. Ah putain, les lentilles. Bon, on testera. On testera. Tellement la vie est le fraîche. 27. Ah oui, d'accord. Ah oui, elle a déjà fait. Alors, chichi manga, burrito grillé, chorizo poulet, ça a l'air trop bon. Soupe à steak, carotte, maïs, avocat. Guette de poulet, risotto, poireau, lardon. Oh. Soupe de carotte au cumin. Oh, nasi goreng. Oh, j'adore ça. Il n'y a pas mieux que le risotto, poireau, lardon, là. Oh, le bist. Oh là. Cuisse de poulet, barbecue, sauce ranch. Ouais, bon, ça n'a rien d'incroyable, effectivement. Ouais, non, effectivement. Il n'a pas l'air d'avoir. Oh non. Bon. Elle a raison. Elle la connaît bien. Ah, rouler de fête cannelle et noix de pécan. Mais la cannelle de l'enfer. Je pense qu'il y en a qui doivent kiffer, mais. Rôti l'autruche. Putain, pauvre bête. J'en ai déjà bouffé ceci. Ça a déplacé de ma part. Alors, ok. Et maintenant, 1er janvier. Ah! Ah mais c'est bon, ah ben non, plus tard, go le raid. Ok, c'est parti les gars, je retourne au raid. Ah, let's go. Donc avec mon nouveau trinket, on est bon. Les petits allers, retour, les petits allers, retour. Les petits allers, retour. Donc là, il faut que j'aille maintenant là où il y avait le... Je crois que c'est la fin, logiquement, hein, 18h49. Mais il me semble que là, c'est la fin. En mode, je vais débloquer le... Je vais débloquer le truc final avec ça, quoi.
C'est une sacrée suite de quêtes quand même pour le craft, hein. Vache. Putain, j'espère que c'est bien 100 de forge et pas 150. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien, quoi. Enfin, pour rien. Pas pour l'instant, quoi. Attends, je vais aller checker quand même. J'ai que ça à foutre en marchant. Ah, mais non, mes flûtes. Oula, ça lag de ouf là. Ah, c'est parce qu'on a dû passer. Il doit y avoir un petit lag, il doit avoir du monde pour l'event là. Out to gate, void attach armament. Alors, voyons voir. Ah, voilà. La cuirasse, alors elle fait. C'est bon, fort champ, ok. Salut Zalim! Ah bah écoute, tiens, 12 soirs, 5 endures. C'est ça, ouais. Je perds des stats? Ah merde! Lol. Armure 238. Ah, je gagne un peu d'armure, je perds des stats, quoi, avec un truc épique. Mort de rire. Par contre, je gagne effectivement 1% de chance de toucher. Et surtout le truc de tank, quoi. J'arrive à la fin, Zalim, du truc. Dis-toi, depuis le début du live, je ne fais que ça. J'ai monté ma forge. Je suis passé à 115. Gros farm et tout, j'en peux plus. Ça, il me faut que le tesson du vide, là. Ouais. Ah, mais ça m'a coûté une bonne partie de ma fortune, hein. Là, j'ai quasiment plus de thune. Demain, ça va être full quête pour avoir de la thune. Objectif, 20 PO mini. C'est 20 PO sinon rien, demain. On va aller bouffer de la quête. Hein. On va aller bouffer de la quête. J'ai gagné pas moi, pas mal. Ouais, Darkshire, ça a l'air pas mal du tout, effectivement. Ah ouais, pas mal du tout, effectivement. Ouais, mais ça fait partie des zones que je pense faire. En plus, le lore a l'air vraiment cool. J'ai vu qu'il y a une quête 32, je sais pas si t'as réussi à la faire. Ouais, 45 PO, ouais, je pense demain, ça, on va clean Darkshire demain, ça me paraît pas mal comme idée. Hein. On descend dans le raid. Ouais, l'ambiance est cool, l'histoire des veilleurs et tout, il y a l'air d'avoir un lore qui est cool, donc je lirai bien tout ça demain. Ça va être sympa. Bon, on retourne dans le raid, c'est reparti. Je sais pas si je vais arriver en vie au raid. Hein. C'est pas sûr du tout pour le coup. Et ouais, et je vais mourir. Putain. La question c'est où est-ce que je vais ripop. Je ripop face au raid. Je vais me prendre un bon petit mal de raid parce que j'en ai rien à foutre. Ouais, je m'encare complet. J'ai pas besoin de... Ah putain. Je dis pas que c'est elle qui va me tuer. Résiste, chais. Apparemment, world buff à 19h. Ah, mais c'est le buff de BFD. Ouais, bah après... Ça, bah, on pourrait, hein, mais rien à foutre, quoi. J'ai pas fait la suite avec les Worgen, sinon je vais se nettoyer, d'accord. Ah, il y a une suite. Hein. Okay. Je crois que je suis en train de me faire taper là, non? Hop. Ok, on est bon. On est vivant. Tout va bien. C'est gentil, hein, ce lag. Après, il est bien le world buff. Hein. Prenez-le si vous voulez, hein, pas de soucis. Hein. Là, moi, tu peux le boon. Je sais pas ce que ça veut dire. Avec un item. Je sais pas non plus ce que ça veut dire. Je comprends pas le terme boon, je sais pas si c'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre. Je comprends pas les termes utilisés. Je crois qu'il fait du crit, puisqu'il fait. Bah prends-le, le stocker. Le world buff? The fuck. On peut stocker le world buff? Mais alors, quand tu dis world buff, mais faut être. Ouais, ça faut être tout. D'ailleurs, je crois qu'il faut être Adarnassus, non? Enfin, ça dépend de la ville dans laquelle il est lent. Après, c'est peut-être Adarnassus.
quête. Tu peux stocker l'orbe, genre le, l'appliquer à ton raid. Mais c'est pas genre juste la, la suite de la quête de la perle quand tu tues le boss de fin, je pense. C'est un peu comme la tête de Nexia, le radarna, ouais, ok, ok. Oh non, là, je rappelle pas. Mais oui, je l'ai eu une fois, on quêtait, on l'a eu par hasard, je crois que c'est quoi, 2% de crit. Fais pas de la régène mana aussi. Non, c'est solo. D'accord, il est pour toi, ok. Ah, tu, genre, tu peux l'avoir en buff et le... Oh, ok, voilà. Après, je sais pas ce que ça veut dire, moi, Boon. Je connais pas le terme. Je connais pas le terme. Ah, faut que j'aille finir aussi la quête des pots de débien. On n'arrête pas de demander le TP des gens. Allez, allez, mec, quoi. Putain. C'est vraiment des ouf. Ok. Allez, c'est parti. Non, c'est pas là. C'est où déjà? C'est là-bas? Attendez. C'est où déjà? C'est pas le level du Syrakis. Et il est où l'item? Parce que là, ça c'est la quête. Putain, c'est où déjà les ténèbres? Je sais plus. Il y a pas de PNJ là, tiens. Merde, c'est où les ténèbres? Quelqu'un se rappelle? Je pensais que c'était autour de Gamora, bordel. Ou c'est après jusqu'à devant Kelriss. Plutôt c'est cette merde. Pour les ténèbres écrasantes là. Attends, la gonzesse elle est à gauche. C'est là-bas, il y a la Naga Elite. Là c'est là d'où on vient. Là-bas c'est vers la Naga Elite, il me semble. Bah merde, c'est où alors? Attendez. Ténèbres écrasantes. Je vais peut-être aller vers Kelriss. Oh putain, c'est où cette connerie? C'est peut-être sous Kelriss. La zone avec les Morlocks qui fera... Ah! Ah bon? C'est dans l'eau avant Kelriss. Ouais, c'est ça, ok. C'est... Faut aller jusqu'à Kelriss. C'est bien ça, ça marche. Ça roule, ça roule. Eh ben, on est parti! Après, peut-être les trash quand ils pop là-bas, par contre. Je vais te prendre tristesse. Donc, j'aurais dû prendre le TP en fait des Murlocs. Très bien. Pour l'instant, pas de trash. On est bon. On est tout bon, oui, 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 oui. On est tout bon. Tout, tout, tout va bien. Ok. Donc là, direction l'Orgugette. Voilà. Et là, on arrive dans la salle avant que la salle pré-Kelriss avec de la flotte. Pour l'instant, il n'y a pas de trash. Peut-être que les trash par contre de Kelriss vont être là. Si c'est le cas, c'est la merde. Comme j'ai, on n'a pas tué Kelriss, c'est possible qu'ils soient là. Ouais, ils sont là. Putain. Ah oui, t'es déjà niveau 17, Pookie. Vache. Je vais attendre 4 minutes déjà de plus avoir le mal de raise pour tenir un peu plus. On va attendre les 4 minutes.
Ah, attendez, est-ce qu'il y a une map, quelque chose, que là je peux pas voir grand chose? Ah, est-ce que là, Rensa, lui, il est passé en fufu, quand il y est retourné? Quel enfer. Putain, je suis si proche et à la fois si loin du torse. C'est la dernière étape du torse, logiquement, les gars. Donc ça veut dire que après ça, c'est fini, quoi. Bye tout. C'est tout. Bye tout. Bon. Elixir, step 1, step 2, step 3, c'est step 4. Ah non, c'est pas fini. Ah non, il y a encore une step 5. Oh putain. Ah oh, putain, faut aller ensuite, il y a une step 5. Ensuite, faut que j'aille au contrefort d'Ilsbrad. Vous avez bien geeké quand même. Bon là faut que j'atteigne donc la zone de Calris. Ah step 6. Oh putain Yas. Ah mais j'en ai pas du tout fini en fait. Oh putain Yas 6 est... Oh my goodness. Oh. Attendez. On va mettre cette aura là. Ok. J'aurai la bulle et l'impôt. Bulle et impôt pour tenir. J'ai pas de potion de soin. Bon, j'ai une petite potion de soin, toujours ça de prix, ceci dit. Un défaut, hein, les gars. Ok. Ah bah là, je suis à l'étape 4. Après, c'est l'étape 5. Après, il y a les trajets, quoi. Mais c'est rigolo qu'ils aient baissé les stats du truc, quoi. Après, c'est marqué que ça augmente les dégâts du raid de 2. C'est-à-dire quoi, du raid de 2? 2%? C'est pas si mal, en vrai, 2% de dégâts en plus du raid. Hein. Ça nous aurait permis de tomber la dernière fois. Hein. Il nous manquait 1,25%, hein, donc bon.